fais quand même des films, oui, bienveillants. C'est vrai que j'ai un a priori positif sur les gens. Et je ne saurais pas faire un film où je me moque des gens que je fais. Alors Jean-Pierre, moi j'ai forcément une première question, la question que je pose toujours au tout début. Comment es-tu arrivé sur ce projet? Est-ce que c'est un livre que toi tu connaissais, qu'on t'a conseillé? Peut-être parce que certaines personnes te connaissent aussi. Comment tu as découvert Je vais mieux de David Fuentinos? C'est Dominique Farrugia, on cherchait à faire quelque chose ensemble et qui me dit un jour, mais est-ce que tu connais ce roman de David Fuentinos, Je vais mieux? Je ne le connaissais pas, je l'ai lu et c'est vrai que j'ai eu un coup de cœur immédiat. Comme je vous disais tout à l'heure, je me suis vraiment identifié au personnage principal et j'ai tout de suite eu envie de le faire. On a rencontré David Fuentinos qui très vite m'a tout de même laissé assez libre d'interpréter son livre à ma façon tout en restant fidèle à son ton. Tu as toi-même souvent mal au dos? Mais tout le temps mal au dos, oui. Il y a d'abord des problèmes physiques, hein, vous avez vu, hein, je suis quand même grand et donc je me tiens très mal, quoi. Hein, comme pour, voilà, je suis toujours été très complexé par ma taille, je ne sais pas quoi faire de mon corps, donc j'ai toujours été plié. Tu as failli t'assommer en rentrant dans la salle. Voilà, donc c'est lié à ça, il y avait toutes les raisons physiques comme ça. Et puis ce qui m'amusait dans ce récit, c'était qu'à partir du mal de dos, ce personnage allait peut-être pouvoir faire une enquête, mais à quoi j'ai mal, quoi, hein, puisqu'on dit quand même, hein, on en a plein le dos, c'est quand même incroyable, quand même, hein, c'est 80% de Français qui ont mal au dos. L'autre jour, je disais, là, 43% des Français disent avoir eu des douleurs liées à leur travail. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on a tous mal quelque part, si je peux me permettre, hein, et on est quand même dans une société qui nous malmène, qui nous remue, et donc on a mal au travail, on a mal au couple, on a mal aux enfants qui partent, on a mal à la vie qui n'est pas forcément celle dont on avait rêvé. Et le mal de dos, c'était mon hypothèse. Voilà, ça pouvait devenir l'objet d'une enquête. Moi, il y a le problème physique, hein, c'est sûr, mais moi, je pense aussi, moi, par exemple, j'ai souvent mal au dos parce que j'arrive pas à dire non. Et c'est vraiment pas du ressentiment à l'égard de mes parents, loin de là. Hein. C'est d'admettre aussi que les parents sont des gens souffrants et qu'ils avaient bien leur raison et qu'à des moments, juste faire ça, c'était... C'est vrai que ce que j'ai mis là comme expression, là, Ed Mosnino qui dit « quand on s'embrasse, on dirait que c'était un coup de boule », moi, c'était ça avec mes parents, quoi. Bah, c'est pour ça que j'ai toujours eu une angoisse des fêtes de Noël. Enfin, dès que ça arrive, moi, dès le mois de septembre, ça m'angoisse. Parce que je me dis, ça m'avance. C'était le pire. C'est ça, le mal de dos. Non, mais vraiment, hein, vraiment. Bon, moi, j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai qu'on a envie d'avoir mal dans le dos. Il faut le reconnaître. C'est un bienfait d'avoir mal dans le dos. Ça vous ouvre la porte à tout. Il est attendrissant, l'acteur. Puis alors, cet acteur-là, il est extraordinaire. Mais... Tout passe sur sa figure. Non, vraiment, il n'a pas un physique ordinaire. C'est vrai. Vous savez, c'est lui qui avait joué Gainsbourg. Hein. Oui, je sais. Oui, je sais. Il n'a pas un physique ordinaire, mais c'est vraiment... Tout passe par sa figure. Vraiment, c'est... oui, on a vraiment envie d'avoir mal dans le dos. Parce que vraiment, c'était la première fois, même quand Gainsbourg, il n'était pas autant à l'écran, c'est la première fois qu'il joue un rôle, lui, quand même, dans tous les plans. Tout, tout le temps. Il est très humble, hein, cet acteur. C'est vraiment un grand acteur de théâtre. Là, ouais. Il est avec François Berléand, vous savez, en ce moment à Paris, dans Ramsès II, là, de Sébastien Thierry. Et c'est vraiment l'acteur de théâtre. Il me disait, mais les gens vont en avoir marre, quoi, de voir ma tête pendant une heure et demie. Et je lui disais, mais non, en tout cas. Moi, j'ai vraiment, vous savez, pour bien filmer quelqu'un, il faut avoir de l'affection. Et c'est vraiment, j'ai vraiment de l'affection pour lui. Hein. Dans beaucoup de tes films, effectivement, tu abordes beaucoup la différence, que ce soit l'homme qui rit, les émotifs anonymes, là, je vais Marie mieux. Hortin, il y en a, voilà, Marie Hortin, qui était un film remarquable. Pour toi, c'est quelque chose de très important. Bah, c'est ce que je suis, hein, quand même, quand on fait 2 mètres, déjà, enfin, depuis l'école, on sent quand même qu'il y a une différence. Hein. Après, c'est pas, mais quand même, mais ça vous met, vous voyez, ça vous fait rire. Ah, je suis... Attends, je regarde, voilà. Un peu de moi à côté. Voilà. C'est les deux différences, hein, vous voyez. C'est ça qui m'a fait prendre de passion pour le cinéma, c'est-à-dire c'était mon abri, quoi. Hein, et là, le noir se fait, on ne vous voit plus, on ne vous demande pas toutes les 10 minutes, alors il fait beau là-haut. Mais des fois, c'est vrai, je reconnais que j'en ai marre. J'ai 56 ans quand même, et je me dis, mais jusqu'à la maison de retraite, on va me dire, je suis grand, et tout ça.
Oui, c'était juste pour dire par rapport à ça qu'on comprend aussi que ces réactions soient extrêmes parce que c'est tout ce qu'il a entassé qui est extrême, quoi. Hein, c'est, fait, voilà, c'est pas forcément c'est un modèle. En fait, voilà, plus on attend, plus c'est dur. C'est même, c'est le coiffeur, quoi. Ah oui. Retourne. En plus, il retourne une deuxième fois. On est catastrophé, quoi, et on n'ose pas dire. C'est vraiment se sortir des frustrations. Et c'est vrai que c'est dans tous mes films, c'est ça, même Marie Hortin, la petite sourde aveugle, c'est d'arriver à sortir de soi, à s'accoucher soi-même, à communiquer. Autrement, il me semble, c'est la Bible. Une autre intervention pour Jean-Pierre dans la salle ? Oui, monsieur, hop, ah ben voilà, le micro arrive. Merci. Bonsoir et bravo. Je pense que vous pourriez demander à quelqu'un de votre équipe de monter un dossier pour se faire rembourser par la sécurité sociale. Ah non, c'est ce qui reste à faire. Oui, bien l'étiquette du film. Un film, oui, ça c'est Emmanuel Leroux, il fait du travail de tête. Si ça marche mieux que les magnétiseurs. Si tout le monde voit le film, c'est bon. C'est pas mal. Ça fait du monde. Ça fait des entrées et je crois qu'Europe 1 sera content. Alors, une question peut-être plus générale, puisqu'il y a le jury dans la salle, on est dans un festival d'adaptation. Qu'est-ce que c'est pour toi une bonne adaptation ? Oh là là. Bon courage. Non, c'est pas facile. Hein. C'est non, mais c'est. Ben, il faut que, si je dire, il faut pas que le film reste collé trop au roman, quoi, que le film ait sa propre vie, peut-être, non. Que vous voyez que ce soit pas juste une illustration. Hein. Et puis faire sa petite maison à soi. Ben, moi, qui adore Chabrol et tout ça, il disait, vous savez, il avait fait un livre d'entretien magnifique. Hein, avec François Guérif, j'adore ce livre d'entretien, et le livre s'appelle « Un jardin bien à moi », et c'était ça son idée de l'œuvre, quoi. C'est mon jardin hein, bien à moi, c'est comme sa passerelle, quoi, vous voyez, hein, c'est pas, vous voyez, c'est pas la tour de Pise ou quoi, mais c'est à moi, quoi. J'ai fait quelque chose, c'est artisanal. Puis peut-être une future adaptation pour qu'on ait le plaisir de te revoir au Croisic. Tu vas être obligé de revenir. Avec plaisir. Je suis vraiment content que vous ayez été le premier public de ce film. Ça me fait vraiment plaisir. Et ça... Vraiment, je voudrais que vous fassiez un tonnerre d'applaudissements pour Jean-Pierre Améris. Merci.